Salut les goules benaises, aujourd'hui c'est les trois garçons benaises, on est parti au marché populaire de La Palisse à La Rochelle. Ouais, super, 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 super. On vous emmène ? Allez, suivez-nous. Allez, on y va. À vous cognac, j'ai. Salut les goules benaises. Alors maintenant, on va vous faire. On est rentré dans le marché de La Palisse, alors sous les halles. On a trouvé trois commerçants qui ont voulu jouer le jeu avec nous. Vas-y David, explique un peu ce qu'on a. Donc là Jean-Pierre a eu la gentillesse de nous accueillir. Donc nous avons une magnifique planche de charcuterie qu'on va faire en dégustation. Il va nous mettre des bons produits. Je sais qu'il va faire ses spécialités. Ensuite nous allons avoir Charlotte qui va nous présenter donc, son vin. C'est la tombée du ciel, un petit vin blanc, un petit vin rouge en biodynamique. C'est ça, mon Régis ? Oui. C'est ça. Et avec notre ami Régis, nous allons avoir une tome de Savoie, un chèvre. Allez, tchouf ! On est en plein dans le mille, là. C'est, il faut que vous veniez au marché de La Palisse, c'est une tuerie. Jean-Pierre nous a invités à son stand dessus la planche qui se trouve ici. Il nous a mis du boudin noir, du petit velours, de la rillette et du pâté de campagne. Vous allez voir, on va se régaler. Alors on est parti chez vous, chez Jean-Pierre. Ok Jean-Pierre, on sort de ton banc. Ici là on a un magnifique boudin noir. C'est quoi ce boudin noir? Alors ce boudin noir c'est du boudin à l'ancienne, c'est-à-dire avec de l'oignon, de la gorge, du gras, voilà. Là on a goûté donc le pâté qui est alors, le velours. Voilà. Okay. Donc c'est un petit pâté à base de foie de porc, foie de volaille, coupé au couteau, puis bien relevé avec du tempérament aussi, comme l'alambic, ça allume. Et ça, le fameux grillon de Charentais. Le gros grillon, donc ça c'est cuit du lard, cuit dans la graisse, voilà, avec des épices. Voilà, d'accord. Ça relève les papilles, là. Super. Si tu dors, tu te réveilles. Allez, Jean-Pierre, merci pour cet accueil, merci pour l'organisation de tout. De rien. Ah, c'est grave. Ce soir, aujourd'hui, si nous sommes au marché de La Palisse, un marché populaire, c'est grâce à notre ami Jean-Pierre Vinet, qui est à Lalle. Découvre sur le marché de La Palisse donc une caviste ambulante, Charlotte, qui nous a sélectionné deux petits vins de Gaillac, un blanc et un rouge. Alors on va le déguster, je ne l'ai pas encore découvert et elle va nous faire la présentation. La particularité de son stand, c'est qu'en fin de compte, elle ne vend que du bio et que du biodynamique. Elle nous expliquera tout à l'heure ce que c'est précisément. On est présent sur des marchés exclusivement La Rochelle, l'île de Ré et après les marchés de quartier comme l'Alle et La Palisse. Et ensuite on fait aussi tout ce qui est événements, donc dégustation à domicile, mariage, festival, voilà, on se déplace sur les lieux comme ça, en tant que bar à vin ou en tant que fournisseur caviste. Alors toujours sur le marché, voilà, toujours à rencontrer les gens, toujours voilà, ce côté proximité, on échange avec les clients, on prend le temps d'expliquer à chaque fois. Nous le concept c'est vraiment de faire découvrir les vins bio, biodynamiques et naturels aux gens qui ne le connaissent pas ou alors qui en sont déjà adeptes et amateurs, et puis à des prix abordables surtout. Donc voilà, nous on est vraiment là pour décrire et expliquer et surtout s'adapter au goût des gens. Donc voilà, l'idée c'est pas de partir sur quelque chose de trop marqué, trop original si la personne n'a pas l'habitude de boire des vins comme ça. Donc on y va progressivement, on commence par des petites cuvées qui sont un petit peu plus faciles je dirais à boire, et puis ensuite on part sur des choses un petit peu plus marquées sur le naturel ou voilà. Et en règle générale, ce sont des vins qui sont à boire, comme là aujourd'hui j'achète un vin, je rentre chez moi. Oh, vous pouvez les consommer. Vous pouvez consommer nos vins directement, c'est des cuvées qui sont déjà à maturité comme on dit, qui sont déjà abouties. Certains peuvent se garder aussi, contrairement à ce qu'on pense, les vins bio ou biodynamiques peuvent aussi se conserver. Voilà. Comme... plus fragiles, mais ils peuvent se conserver. D'accord. On va vous faire juste un petit morceau tout à l'heure en partant. Pour finir un peu cette matinée exceptionnelle qu'on a passée ici.
en espérant que vous allez venir découvrir ce lieu. C'est exceptionnel à La Rochelle. Je rajouterai même, c'est un marché local, national et international. Les trois gars là, ils sont pas bizarres un peu, non? Je voulais pas le dire même. Hein? Ça va. Le capitaine de la marée, dans le pendant Morville la robe, qui planifie les pains de gode, le homard avec les latis, le capitaine de la première, donc le mois prochain, on va essayer de on va remettre ça, c'est sûr. Adolf. Et on va continuer là-dessus. On vous revoit le mois prochain. Très vite, on a envie de continuer tous les jours, mais ça sera une fois par mois. Et puis on va profiter au maximum et vous faire profiter de ce qui se passe à La Rochelle, en Charente-Maritime. Régis David et moi, derrière nous, on ne le voit pas, il y a Thierry qui est là derrière moi, qui s'occupe de toute la partie technique. Un grand merci à tous les commerçants du marché de la Palisse qui nous ont accueillis comme des rois, comme des dieux, comme vraiment, merci à tous les commerçants, merci à toutes les personnes qui nous ont accueillis, qui nous ont offert à manger, à boire, à déguster, l'accueil, nous avons plein de projets, c'est génial, c'est super, merci. Logiquement, normalement, la prochaine des garçons Venez, on devrait être sur un carlet. Vous expliquez ce que c'est qu'une pêche de carlet, qui est spécialement Charente-Maritime. Allez, bisous. À bientôt les Venez. Direct du marché de la Palisse. C'est fatigué, hein. Voilà ce qu'on rencontre. On rencontre de tout ici. Allez, bisous à tous. Ça relève les papilles, ça. Super. Si tu dors, tu te réveilles. Super Boc est à la bière, parce que de la morue est au Portugal. Méditez. Tenez vos cours de gaz. C'est bon. Ça vous a coulé le bec, hein. Ça, c'est du gros tard. Et on va encore se faire plaisir. C'est que du bonheur, du plaisir. Tout est bon. C'est pas pour dire, mais tout est bon. On se régale, c'est le bonheur en l'état pur ici. Et qu'est-ce que tu voulais que je te dise, je sais plus. Donc je partirais plutôt là-dessus. C'est pas là. On est bien là. On est bien là. Parce que tu ne rien le plus vers le mieux là.